Salut Sous tout la le monde et cité de bienvenue ce soir Narragonde, pour un petit beaucoup stream d'esclaves sur en sont morts, Dumble 2. Je vous mais c'était retrouve eux qui avaient le ce meilleur de vie. soir pour le second match du tournoi Forge Lord avec mon équipe du KO, les gardiens de Porte d'Ire. On affrontait le leader de la poule, donc Morpheus, avec ses Skaven. Et ce soir, ça va être un match qui risque d'être assez coton parce que le KO contre le Skaven en général, à moins qu'on arrive à massacrer les Skaven de Morphée. Ça va être temps d'axe. Donc bref, on verra bien au fur et à mesure du match, mais en tout cas, on va pas se laisser faire. Et ça, c'est sûr. Donc voilà, je vais juste attendre mon adversaire au cas où. Voilà. La saison régulière bat son plein. Venez vous aussi y participer. Morphée, c'est toujours en ligne. Je pense qu'il est occupé, je ne sais pas. Ah, et Morphée est en ligne. C'est parfait. Donc on va avoir un peu d'équipe en face. Donc il a un rat ogre, il a une vermine de choc avec châtaigne, un coureur d'égout avec bloc, esquive et bloc, et son lanceur chef pour une troisième relance, ce qui est cohérent et tout à fait naturel. De mon côté, mon équipe n'a pas pris de level up non plus lors de son premier match, qu'elle a gagné 1-0 contre des Alphelins, ce qui n'était pas gagné. Nous avons notre guerrier point blanc, bloc, Bigadin, l'homme bête dextérité pour ramasser la balle, et Wall the Bruce, notre lutteur, safety pour essayer de récupérer cette balle. On avait pris un peu d'expérience avec Shadow aussi sur une blessure lors du premier match. Après, j'aurais aimé que le MVP tombe sur quelqu'un d'autre que Point Blanc, mais bon, c'est comme ça, c'est Neufeld qui décide. Voilà, donc j'attends le retour de Morpheus. De toute façon, c'est activé pour moi. Je lui ai dit que c'est bon. Donc là, je suis dans le bar à bière. Bon. La question est de savoir que fait Morphée. À mon avis, il doit être en train de configurer son stream, peut-être. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Sur Pas Cabal de Vision pression ce inutile soir. ce soir. Big Jobo Pied Léger revient On va se d'entre les donner à morts pour fond nous et parler pas de avoir de son regrets. très Voilà. éphémère Essayer de jouer Capitana à la tête des correctement. Greenfield Grass Huggers. Ok, je vais essayer de le relancer. Voilà, il est en train de faire ses derniers préparatifs, qui sait. Je vais juste voir s'il est en stream, au cas où. Alors que non, je la vais pas sky en encore là. B, tu vois, je pense pas que ça soit. Hop. On va lancer le match, on va voir. Déjà, on va faire un premier geste. Donc là, le but, on verra si on a l'attaque ou la défense. On va réfléchir. Déjà, on va pas foncer tête baissée. On va essayer de jouer de manière normale, hein, pas extra non conventionnelle. Hein. Ça ne plaît pas souvent à des gens, mais bon, c'est comme ça. Chacun son style de jeu. Après, je pense qu'on peut allier conventionnel et non conventionnel avec parcimonie. J'ai l'air de quoi en HD, Bob? Un cadavre! Ah, ça c'est fait. Ok. Oh, il a pas accepté. On avait un match. Juste regarder comme ça par curiosité. Alors un peu le classement, j'ai pas fait gaffe. On est toujours cinquième parce qu'on a une victoire et une défaite. Une victoire pour le moment. Si on gagne ce soir, bah, ou un nul, on passe devant le Big Tom. On va essayer de chercher la win quand même. Bon,
Morphès, c'est une victoire aussi totale. Donc si on bat, on peut remonter. Mais bon, et après, au prochain match, on affronte qui? On affronte les Nains du Chaos de Big Tom, qui ont l'air redoutables. Nous avons ensuite le harem à Chou Blanc. Chou Blanc, il joue Amazon. Ok. Ah oui, il a perdu une blitzeuse, c'est vrai, je me rappelle. C'était sa gardeuse en plus. Ah, dommage. Coucou mon Kaiser! Salut mon Morphée, comment tu vas? Bien, bien, excuse-moi du retard, je vais être franc avec toi. Pas, pas en retard, j'ai juste lancé le stream pour chauffer. Nickel, moi c'est pareil, j'ai lancé de mon côté, on joue quoi déjà? Tournoi Forge Lord cette journée. Ah oui. Tu m'entends bien? Nickel, et toi? Ouais, moi je t'entends très très bien, c'est cool. Bon bah nickel, j'étais en communication avec Artag sur un autre canal en perso. Donc c'est pour ça que je suis à la bourre. Et comme j'étais là hier, j'ai expliqué un peu ma situation. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment et je cours un peu partout, c'est lamentable. Mais, tant que tu finis pas comme une poule sans tête, ça me va. Hein non, ça devrait aller, t'inquiète. Allez, on va jouer Meskaven contre TKO. On lance, je regarde même pas ton équipe, je m'en fous. On verra bien, advienne que pourra. C'est ça. C'est du rat, donc normalement le rat, j'ai vu, ça pète les armures neuves. Oui, surtout des hommes lézards hein, pour faire des sacs à main très appropriés. C'est ça, c'est ça. Je te remercie d'avoir lancé en avance, franchement. Oh, de rien, merci beaucoup. Écoute, je voulais me faire un peu d'Among Us, tu vois, pour me détendre un peu avant un match, parce que j'aime bien faire d'autres jeux, tu sais, avant de me détendre. Je me dis, oui, oui, mais. Oh, t'es un amour. Parce qu'après, j'ai deux, trois petites choses prévues. T'inquiète. Donc, voilà. Faut faire au mieux de chaque côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est ce que j'apprécie chez toi. Merci. De toute façon, tu le sais, hein. Tu le sais. Je fais toujours de mon mieux, même si j'ai perdu une finale d'affilée. J'en ai un peu marre, mais bon. Ah, moi, j'ai perdu une finale. Et puis là, depuis quelques temps, comme je suis pas forcément dans ce que je fais, je prends des tôles, mon garçon. Je prends des tôles. Hier, j'ai pris une tôle avec Jacques Seller. J'ai pris un 3 ou... Ouais, ouais, 3-0 dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Oh, il pleut, les bigras. Et on est chez toi, je crois, en plus. Aucune idée. Parce que je crois que moi, j'avais pas pris ce stade-là. Il me semble que j'avais pris le stade du violon. Mais on va voir, de toute façon, on verra. Oui, on va voir. Alors, que va nous dire Monsieur Goblineuf? Alors, j'ai entendu quelqu'un avec nous. Mais qui ça peut être? Ok. Leurs adversaires devront l'être au moins autant ou compensés par la violence. Ils encaissent mal. Alors... Mais serait-ce Artag? Salut les gars! Bonsoir Artag, comment tu vas? Comment ça va? Bien, merci toi. Mais super bien! Ravi d'être bon, alors, je vais vous squatter 20 minutes avant le match de tournoi des deux nations. Mais fais-toi plaisir! Et je vous raconterai. Je vous raconte. T'as suivi l'histoire, Kaiser? Quelle histoire? Mon histoire de ce matin. Pas du tout. Avec la nouvelle boîte de Blood Bowl et tout, t'as pas suivi? J'ai peut-être vu des photos effectivement avec mais ces enfoirés de potes de la Belgium Bowl, ils m'ont fait une belle surprise quand même. Eh bah c'est une belle surprise, bah félicitations. Bah j'ai rien fait là-dedans, c'est eux qu'il faut féliciter, mais voilà, c'était un gros complot avec l'aide de Nicolai, qui est mon voisin en fait. Et un pote avec qui je joue IRL depuis longtemps, qui a tout orchestré dans mon dos. Et pour arriver à m'offrir un truc que j'aurais de toute façon été chercher au magasin à l'heure de l'ouverture, quoi. Et bah, le tour de l'outil, c'est que t'as pu aller le chercher maintenant, t'as plus qu'à savourer. Ah, j'ai même pas été le chercher, il m'a livré toutes les boîtes comme tu livres des croissants à une gonzesse après la première nuit passée avec. Tu vois, c'était pas beau ça? C'était beau, je m'en souviens. J'étais là, sur cette soirée. Non. Non. Si, j'ai la vidéo! J'ai la vidéo! C'est sur Instagram, attention. En plus, Nico a filmé mon intimité à 9h30 du matin, autant te dire que j'étais réveillé. Tu réveillé, je pense. C'était beau. Hein. Je suis tombé du lit comme un enfant la veille le jour de Noël, tu vois, en disant bon, le sapin là, il y a les cadeaux là, on peut ouvrir. Et voilà, c'était un peu ça. Allez, bon, alors on est avec mes rats, à toi aussi. Yo mon script team, tu viens voir les rats? Tu viens voir les rats? Alors j'espère que cette équipe va pas me faire faux bon. Ah, c'est l'équipe, tu serais bien, bien indulgent de livrer la pommade du match 1 au coach à qui tu as transmis les fessées, hein, c'est-à-dire à Pointe Blanque. On va se passer la pommade de match en match.
Et Kaiser, fais gaffe parce que Morphée, il se sent plus quand il jouera là. J'ai remarqué, donc on va faire attention, même si ça va être très compliqué sur le papier avec le match-up Skaven KO. Ah non, mais c'est à la baston qu'il gagne lui. Hein. Bon, bah voilà, voilà, voilà. Voilà. Ça c'est fait. C'est bam. Ça c'est fait. Voilà. Si t'avais pas compris. Maintenant je suis averti. Voilà. Voilà. Ok, après c'est. Ouf. Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté. Ok. Du coup. C'est du 4 de force, 4 de force. C'est du guerrier. Okay. Comme on les aime. Ok. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On va ramasser au Bludger. C'est toujours un bon plan, tu me dis. Easy. Alors, je peux vous dire, les gars, pour avoir lu un tout petit peu avec Nico ce matin, oui. Je sais pas si vous avez regardé le live de Bigadin qui a été un peu plus en profondeur, mais ça va tout changer, hein, Blood Bowl 3. C'est vrai ? Oh, il va falloir que je regarde le live alors. Ouais, ou que tu lises les règles aussi. Les quoi ? Les règles. Oui, enfin, tu vois, il y a un truc qui fait là, en l'occurrence, il fait 130 pages, et il y a des trucs qui cliquent dessus. Et ça raconte comment il faut jouer. Il y a des règles ? Ouais, il y a pas mal de trucs qui changent, qui sont différents. Mais c'est limite honteux là ! Moi, je trouve que depuis c'est quand vrai, on accepte des règles ? Il y a des trucs qui sont fantastiques au niveau roleplay en tout cas. C'est cool, ça c'est le plus important. Moi le truc que je suis déjà content pour la nouvelle version de Blood Bowl 3, c'est que les Khemri deviennent maintenant les rois des tombes. C'est enfin une justice niveau loristique. Parce que Khemri... Ouais, alors oublie pas aussi que c'est pour l'instant ça reste un roster non officiel. Mais je suis content quand même parce que c'est des rois des tombes à l'ouest. Khemri étant la capitale de Nekara, le royaume de Neka, voilà, des morts vivants de Neka. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle du lore. Voilà. Salut Biop. Qu'est-ce qu'il dit ? Après, tu vois, tu joues KO. Maintenant, dans KO, tu peux choisir un Minotaur, un Troll ou un Ogre. Ce qui est cohérent parce que dans le KO, il y a beaucoup de monstres. Et ça, c'est cool. Mm-hmm. Après, moi, les tours avec le KO, j'ai jamais été fan du Big Guys en général. Je sais pas si ça va changer. Avoir les règles, bien sûr, quand je les recevrai. Mais bon. Parce qu'il coûte la peau du cul le Minotaur actuellement, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi, en parlant du Minotaur, il y a un truc que je n'ai jamais compris. Bah, après, c'est personnel, après peut-être qu'il y a une explication, tu me diras. Oh le mien, potu pas, tu vas bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Regarde, le Minotaur du chaos, il a accès à mutation sur un simple. Alors que le Minotaur NDC, il a maintenant, accès sur un double, tu vois ce que je veux dire? Maintenant aussi, il a aussi accès aux mutations sur un simple, le Minotaur des chaos. Ah, et le système de le système d'XP qu'on change complètement. Donc en fait tu engranges des points comme maintenant et puis tu décides au moment de quand tu les dépenses en fonction de ce que tu veux avoir. Donc tu peux en dépenser très peu pour avoir une compétence simple aléatoire, un peu plus pour la choisir, un peu plus pour avoir une double une secondaire aléatoire, un peu plus encore pour avoir une secondaire que tu choisis. Donc t'as une espèce de petite latitude sur la façon dont tu montes ton équipe. Ah, ça c'est top. C'est top. Ouais, par contre, c'est tellement cher. Dites adieu aux augmentations de Kerak. Hein. Ouais, bah. C'est 18 XP si ton joueur est niveau 1 et c'est tiré au hasard. Entre mouvement, agilité, compétence de passe, force. Et quand tu prends un plus 1 en force, ça te coûte 80 000 de TV. Ah oui, c'est pas des trucs d'amateur ça. Bah c'était pas justifié d'avoir un plus en force. Par contre, ton big guy qui veut blocage, pour 12 SPP, tu lui mets blocage. Il y a un aspect tactique. Qu'est-ce qu'il dit ? On parle de règles, Morphée. Continue à taper, vas-y, pose-toi tape. Pose-toi les bonnes questions, Morphée. Qu'est-ce qu'il dit ? Ok, toi tu te relèves. Kaiser, t'as gagné ton premier match ? Oui, contre des elfes noirs 1-0. Ah bah donc c'est un topper là en fait. Ouais, là, il était premier Morphée, moi je suis quatrième, bon là cinquième quand il y a un match. Mais bon, vu comment je me suis pris une sortie de premier tour, ça pue un peu du cul.
Ok, là ça touche. Ouais, honnêtement, là ça va être ma dernière trompette là, de... avec la trompette de cérémonie que je fais. Là, pour c'est ma dernière. Quoi qu'il arrive, sur le double 2. T'es gavé du jeu ou tu veux juste attendre le 3? Je veux juste attendre le 3, Artag. Je t'avoue que le 2, je l'adore. Hein, tu vois, il est très bon. J'ai passé une très bonne partie dessus. Mais j'ai d'autres projets à faire sur en stream et en vidéo, tu vois. Et après, je reviens oui, bah... un peu sur le 3. Quoi. Ouais, je comprends. En plus, avec je les règles que j'ai commandées, que je devrais recevoir d'ici quelques temps, ce que j'espère, et mon nouveau PC aussi, tu vois. Donc, je suis en bonne voie, quoi. Et je suis content de moi, quoi qu'il arrive sur ce jeu. J'ai passé de très bons moments, j'ai rencontré de bonnes personnes. Et que ça continue ainsi pour le 3. Voilà. Bah, comme on disait, salut Fanjo, je suis pas certain qu'on va skipper immédiatement sur le 3. Hein. Ouais. Parce que 12 équipes, il n'y a pas tout ce qu'on a envie de jouer non plus. C'est donc, sûr, je comprendrai tout à fait, tu vois ça. Ah. Bon, première relance tour 2, ça me plaît. C'est mon idée. Ils sont vénères, Terra. Tu les as mourés à mal pied ou quoi? Oui, complet. Et regarde l'autre, il sifflote. Il sifflote pendant qu'il te met des buffs. Titi. Titi, titi. Ok. Au moins, il est de bonne humeur. Il est vraiment sur le stream, c'est le plus important. Ok. Excusez-moi, hein, je réfléchis. Hein. Ouais, c'est parce qu'il est nourri au Kinder Bueno. C'est ça. J'ai vu le truc d'ailleurs, j'étais mort de rire, mais vous avez fait fort les mecs. Vu la vidéo? Je l'ai vu, ouais. Grâce à Point Blanc que dans le Discord. Il avait mis ouais, c'est du... Mais c'est du beau. C'est du pur bonheur, hein. Ah, ça. Je vais te donner une petite information, mais en fait, je veux pas te faire peur, mais bon, là, ce moment, on sait pas. J'ai joué 4 fois les Scavengers ces 6 derniers mois, j'ai gagné tous mes matchs contre eux. Petite info. C'est vrai? Les 4 matchs, ouais. Je suis ému. Je suis ému. Je trouve ça beau. Je trouve ça... émouvant! Le ballon est en sécurité. Tout, 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 tout. Ah. Tout, tout. Allez, tu meurs. Cette armure, ça se pète. Putain, il piétine au coureur d'égout. Vas-y. Voilà. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça. Et ça passe. Et il se fait pas exclure. Tu tu. Bah, faut faire ça que. Tu, tu, tu. Ah bah voilà. Par contre, ouais. Par contre, à un moment, faut que ça se passe. Hein. Oh salut Steph, tu vas bien la forme. Ouais. Excusez-moi, je suis à fond dans mon match. Non, je mens. Oui, si, je suis à fond dans mon match. Par contre, je veux pas dire, mais t'as blessé Steph, hein, mon homme bête. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vrai? Steph, t'as pris cher. Tu t'es fait violer par un rat. T'as pas aimé, hein. Attends, t'inquiète, tu seras pas tout seul. L'équipe de Morphée est très en forme, là. Eh, ça tient, ça. Ça tient. Allez un ça peut pas être autrement. Rogue. Allez. Voilà. Un Raogre à plus 2, ça se piétine. Bien sûr. Ça n'a que 8 d'armure. Bien sûr. Et à plus 3... On vient de perdre Artag, je suis désolé. Quoi? Hein? Allô? Allô? Piétine Raogre. C'est normal. C'est normal. On va perdre Artag, vous inquiétez pas, c'est normal. dans 10 minutes, vous me perdez. Allez, je suis fou. Un peu d'audace. On va voir ce que dit Nicole. Ouais, tu pas de voilà. J'ai pas mal ah le fait il a dit on touche pas au rat. Non, ça c'est fait. C'est Wall de Bruce. Voilà, c'est le beau jeu, je vous le dis. Ah,
Ah, je vois que Doom est déjà connect. Je vais vous laisser les gars, comme ça je fais mes petits tests son avec lui. Ok. Il faut qu'on corrige le tir avec les Français là, parce que sinon. Ah ouais. On est mené là. Sinon ça pue. Je parle pas de vous, hein, je parle des autres. Les autres Français. Ceux qui. Ouais, voilà, les autres. On l'avait bien compris. On l'avait bien compris. Bon match les gars, à tout à l'heure. À toutes. Bisous à toi. Ciao. Attention, ça va mon Kaiser, ouais, la forme. Un peu déçu de l'expulsion, mais c'est comme ça. Bah ouais, mais en même temps, on est obligé d'expulser à un moment. Il faut arrêter, hein, monsieur. Oui, bon, je te l'ai dit, hein, on ne touche pas au rat. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est normal. De plus, ça serait dommage. Ouais, rappelle pas les mauvaises histoires. S'il te plaît. Si je fais ça, ça fait plus 2. On est d'accord. C'est ça. Allez, le Raog. Oui. Mais non. Mais non. Allez. Mais non, bah non. Ah, mais de temps en temps, un petit coup de bouton, faut que ça arrive, monsieur Morpheus. Oh, il faut le prendre, on n'a pas le choix, ça pue. Non, c'est bon. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Mon Well de Bruges. Salut Fafa. Vous allez bien tout le monde? Ça fait plaisir de vous voir. Ouais. Si on fait ça. Ça marche. On va poursuivre. Ça pue. Oui. Ah là, Tanush est mort. Mais Tanush, Tanush, pourquoi? J'avais fondé de grands espoirs en toi. Allez, t'es mort. Quoi? Je te demandais le nom de tes joueurs, il y a un thème ou pas du tout? Non. D'accord. Non, non, j'ai créé l'équipe à l'arrache en mode... Oups, j'ai une équipe à créer et ça s'arrête là. D'accord. On se demande toujours, on ne sait jamais. mon guerrier là, qu'est-ce qu'il dort? Il va se replier. Putain, j'ai faim. Je viens de manger, j'ai encore faim. Bon, non, il faut arrêter, monsieur, là, par contre. Bah, écoute, chacun son tour, mon cher Morphée. Ça va, ça aurait pu être pire. Je crois qu'on s'est déjà croisé, Morphée, il me semble, en CCL. Hein. Une fois. Oui, on s'est déjà croisé. On se croise souvent d'ailleurs. Non, je crois que c'est notre deuxième match. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu jouais Gobelin en CCL à un moment. Et je jouais Nain ce match-là. C'était mon premier match de Nain avec une reprise. Et, ouais, c'est possible. Ouais, ça me dit quelque chose. Parce que dans des compétitions officielles, je ne crois pas qu'on se soit croisé en tant que joueur, je parle. Ouais. Ouais, ça me parle pas personnellement. Les joueurs galopent de partout, Bob.
Tu étais du genre galopeur, toi? Pas du tout, Jim. Je restais collé à la ligne médiane et j'attendais que mes victimes me tombent dans les bras. Ces Skaven sont plus rapides que n'importe qui. Vise un peu ça! Excuse-moi, je réfléchis à mon placement. Y'a pas de soucis. Hein. Ça pue, docteur, ça pue. Quoi de neige, docteur? Après, ça revient même, hein, ça fait un plus 2. Hein. Sauf qu'il est relançable, il sans réutiliser le GFI. Voilà. Il suffit d'avoir la queue. Eh, hey, tu meurs. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, ce serait bien que t'arrêtes de faire des crânes et que tu fasses un peu des morts. Ouais. Tu fais des tiens. Ti. Il va prendre un combo dans la tête, lui, ça m'inquiète. À moins qu'il soit que du 4 plus, quoi qu'il arrive. Oui, non, c'est que du 4, hein, mais en plus, on relance pas. Ça c'est KO. Oui, tu m'étonnes. C'est le chef. J'ai glissé, chef. Chef, j'ai glissé, chef. Alors, comment qu'on va essayer de faire pour revenir? Là ça va être chaud. Parce que là le TD il est quasiment. Je dirais quasiment inévitable. Ok. Non, pas comme ça non plus. Ça c'est pas mal. On va être cohérent. Le beau 3D en plus, tu touches dans tous les sens, mon cochon. Je te tiens. Je te tiens par la barbichette. Et là, j'ai tenté le truc. Les deux GFI pompent. Déjà, on a... ok, alors deux GFI, ça c'est certain. Oui, je suis chiant avec mes GFI un par un. Oui, mais t'as raison. Si tu les joues pas un par un, il n'y a aucun intérêt. Allez, double 1 et il meurt. C'est Serge, attention. Hein. Bah oui, justement. Ah, Serge! Serge, pourquoi tant de haine? Et là, je vais tenter un petit 2D. Je crois que le 2 plus le chaos n'est pas intéressant. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir. On va essayer comme ça, écoute. T'as raison, il faut essayer comme ça. Toi, tu te relèves. Suffira-t-il à prendre le dessus? L'union fait la force, comme on dit. Décidément. T'as fait un beau début de match, et là... Ouais, c'est plus pas terrible, hein, on est d'accord.
Mais on va les marquer, on prend pas de risque. Bonjour. Merci, merci. Eh, c'est le level up. Oh, merci. Ils ont qu'à lancer un raid avec 6 personnes. Mais t'es un malade. Tous les joueurs chaos sont de retour. Formidable. Ok, on a 4 tours pour aller marquer, ce qui est tout à fait possible. Même s'il y a un joueur de moins, mais... Ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. C'est un même bête sans compétence qui manque le match, le prochain match, ça va, ça aurait pu être pire. Oui. Il va falloir que je rachète des joueurs, moi, rapidement. Moi, bon moment, ça, j'ai pas eu de dégâts mon premier match. Bah moi non plus, mais je m'aperçois que c'est un peu les... Ah ouais, 11 joueurs, j'ai, 7 armures en moyenne. Il va falloir que je rachète un peu de joueurs. Un ou deux, trois quarts, ça serait bien, pour piétiner un peu aussi. Hein. C'est ça. Et pour remplacer ceux qui sont massacrés. Donc après toi, je joue le nom du chaos de Dictum, là c'est encore plus compliqué. Ouais, ça va être chaud. Oh, Jean Troufion, tu as bien la forme. Fanjo, mon Fanjo, ça fait plaisir. Allez, on va faire ça. Eh, bisous, mon Fanjo. Bah, luck. Fais-toi plaisir, fais du beau jeu comme tu sais faire. Oh, j'avais pas vu que t'étais là, mais oh là 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 là, c'est une honte, c'est une honte. Allez, on est parti parce que le beau jeu, c'est important. Ok, la prochaine fois, il passera le terrain, s'il te plaît. C'est pas... Dis ça à ton botteur, hein. Pour toute agression, vous allez voir avec votre équipe, monsieur Marc. C'est une honte, c'est une honte, je tiens à le dire. Ce joueur va se prendre un coup. Ah là là, cet homme. Allez, AirTag. Dommage. Ce joueur préfère se battre entouré. Cet homme pot, c'est indécent. Et cet homme passe l'armure. Oh, c'est ça va, c'est qu'un sonnet. Ça pousse. Ça tient. Non, pas comme ça. Oui, là, c'était gonflé, hein, ce que tu voulais faire. En fait, puis, tu sais, tu veux faire un truc, bah non. Ce pot de l'amour. Allez, faut que tu tiennes, du Manji, là. Ça tient bien, hein, y'a pas à dire. Par contre, là... Je vais reculer ici. Et je vais reculer plus là. Ouais, c'est bien fait. Non, 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 là ce serait mieux. Non. Ça j'ai bien aimé. Non, mais c'est chiant ces petits. Tu veux pas cliquer sur la case et ça te les fout quand même, quoi. Avec un 2 plus, avec un 2 plus, tu me diras, c'est tout à fait logique. Ça fait beaucoup de plus 2 là. Et je peux avoir un dé sur le porteur de balles. Bon, déjà toi tu te relèves. Qu'est-ce que t'as enregistré sur ta Wizwo Box? Non. À part de vieux matchs de Blood Bowl.
Je suis accro à Game of Gnome, la série d'HBO. On ne sait jamais quel nabo en bagouzé les... Ah, je sais pas. Contemple un dé sur le porteur de balles. Ensuite, j'ai du Docteur Flux. Le problème, c'est comment je vais le récupérer. Comme ça. Se promène dans l'histoire et contamine tout le monde. Ouais, ça va être ça le délire. Un peu de capillotracté parfois. Ça sent la bonne grosse empoignade. Grosse pression sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Donc il nous reste encore 5 lettres pour jouer avec Skyrim. On peut le calmer en lui gratouillant le ventre ou le menton. Je n'avais pas vu de rat courir aussi vite depuis le grand incendie à Lune il y a 8 ans. Le rat. Je m'y attendais. Oh non ! En sérieux ? Pourquoi je l'ai vu ? Mais non ! Le jeu me hait depuis le début. Tu sais pourquoi j'ai vu que t'avais fait un double 1 ? Non, je sais pas. La petite astuce, en fait, t'as relancé le dé, tu vois, monte l'armée. Ouais. Quand le GFI passe, tu as le dé qui se lance automatiquement avec le résultat, donc 3, 2, 3, 4, 5, 6, lettre paquet succès. Et là, j'ai vu tout de suite que c'est pas mis, donc ça veut dire que t'avais fait un double 1. C'est la petite astuce à savoir dans l'affichage. D'accord. Mais bon, en ce moment, le jeu me troll un peu, je trouve. Ouais. Mais ça a été ça pendant tout le match contre Jack. Hein. Et derrière, il faisait des pots. Pourquoi t'as pas utilisé le pot ? Je l'ai pas vu. Il était sur le premier dé à gauche, c'est ça ? Je sais pas. Mais j'ai vu un pot. Ouais, c'était le premier à deux gauche, je l'ai pas vu. Merde, bon tant pis. Ouais, y a défenseur autour du ballon. Bon, c'est coup dur, ouais, exactement. C'est comme ça qu'on s'y prend pour démolir un homme rat. Un bon coup de poing sur le museau et ça leur coupe l'envie de gigoter. Qu'est-ce que c'est que ça ? KO chez moi ! Ouais putain, ça passe pas. C'est un peu embêtant. Ça va être ça le truc. Pourquoi pas? Il
dans tous les cas, t'auras du moins 2D, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Le joueur se rapproche d'un coéquipier. L'union fait la force. Ouh, joli ça. Yes, ça tient bon. Deux gros balours qui s'allient pour vous tomber dessus. Mais non, c'est bon là. C'est toujours rare grâce pour toi. Putain! Honnêtement, j'aurais pas relancé après. C'est ouais, non plus, non, 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 mais j'aurais pas dû relancer, je mais c'est. C'est une erreur d'énergie d'agacement, si c'est je peux me permettre. C'est ça. Sans vouloir de vexer, bien sûr. Non, non, mais y'a pas. C'est la pure vérité. J'ai fait ça à mes débuts aussi, ça peut te rassurer. Là, ça fait 2 double 1. Enfin, un double... double crâne. Double 1, double crâne. Et ça te met si je suis dans la merdasse. C'est bon, là. Il va me laisser jouer un peu le jeu. Ouais. Bah, j'espère pour toi. Non, Zeus. Il va se faire aider. Cette espèce de... d'assister. Bon, allez, les gars. Tous ensemble. Non, je sais qu'on doit pas... je le sais, en plus, on doit pas miser sur les beats. Je grésille. Ah, attends, attends, c'est pas normal que je grésille. Ouais, mon kit. C'est vrai que ça grésille sur la fin, effectivement. J'aurais dû te le dire. T'as tes armures, par contre. Là, c'est mieux. Normalement, là, ça devrait être mieux, là. On a encore fait une sortie. Non. Bon, ok. Pour te relance, c'est plutôt intéressant. Aussi ah, ça, je ouais, allez, double 1, un peu comme moi là. Hein. Oh, voilà. Oui. Et il meurt. Ça égalisera. Ça n'a pas été la mi-temps de ton Raoul. Hein. Hmm? Je disais, ça n'a pas été la mi-temps de ton Raoul. Oh, il a rien fait, mon Raoul, depuis. Bah, contre les lézards, il était déchiré, mais ça, on va pas se le cacher. Oui, oui. L'histoire, c'est un 3 plus et un dé avec blocage. Il devrait le faire. V ou pas du tout? Ça devrait le faire théoriquement. 67%. Oh, ça, honnêtement, ça fait, ça passera pas. Mais si. Vu mes dés, ça passera pas. Voilà. Bon, en plus, c'est ça, donc, ce qui m'arrange, c'est que c'est la vermine châtaigne qui est à terre. Je me relance. Voilà, je prends le pot. Ah bah putain, t'es scavone. What the hell maintenant? Ah non, non, bah ils font des armes, mais les armures elles tiennent, heureusement. Enfin, heureusement. Façon de parler. Putain. Ça va faire mal.
Enfin, qui est... NT. Tellement sexy ton couleur de vie. Ah! C'était Grady! Les sorciers appellent ça. Oh, puis il passe l'armure. Ça va, ça tient. C'est comme ça qu'on doit démolir, hein, la vache. Un bon coup de poing sur le museau. On va faire la bigadine, le marquage entre les poteaux. GG! Merci. Et un partout. Et c'est Bigana qui marque. C'était bien parti, mais ça s'est soufflé. C'est ça. Ouais, mon KO revient, ça je suis content. Ah, il revient là, effectivement. Allez, on y retourne, les gars. C'est reparti pour le massacre. Un joueur de moins, c'est facile à remplacer. Va falloir le soigner, ce coup de pied. Oula, qu'est-ce qu'il... Oh, Fungo 46, sois le bienvenu. Moi, je vais voir si j'ai des gens de mon côté. J'ai plus personne pour le moment. Non, c'est très calme. Bon, si je m'en tire avec un match nul ou mieux, au pire, ça sera pas dégueulasse contre des rats. Ouais, mais là, je pense que tu pars. Du quoi? Une win. Une win. Ah, faut se méfier du fun, hein. Il est très capricieux, ce dealer. Ouais, mais je t'avoue, je sais pas trop comment la jouer. Tu veux pas souvent ce canon, je sais pas. Est-ce que je la joue comme ça, non? C'est ça. Ça doit être mon troisième, quatrième match. Ça peut surprendre, mais c'est une des équipes qui m'a plu quand j'ai joué à Bull 2. Parce que c'est une équipe où tu peux tout faire. De A à Z, t'as pas de beaucoup de compétences au départ, ce qui est difficile, mais tu peux la créer comme t'as envie. Bonsoir à toi, Fungo, sois bienvenu, installe-toi, je t'en prie. Prends une place, fais-toi plaisir. On est avec mon ami Kaiser Van. Van. Kestang. Tu progresses. Petit à petit, tu arrives. Eh, t'as vu ? Et je te jure que je vais y arriver. Avant la fin de l'année, il faut que j'arrive. Et on joue le tournoi de Bigada. Le tournoi pour moi. C'est ça. Oh, ça m'arrange. Les meutes. Ok. Bah non, là, c'est qu'une seule blessure et je prends du sale depuis tout à l'heure. Je prends vraiment du sale depuis tout à l'heure. Ça sonne. Ouais, mais tu fais pas beaucoup de blessures et par contre tu me fais énormément de sonner. Bien vu ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! Ah! C'est repris, c'est poussé! Non, apparemment, mes rats ne supportent uniquement que les sacs à main. Ils aiment pas les sacs à main. Dommage, beaucoup de poussées, mais tant pis. Et maintenant, El Famoso au ramassage. Tu crois que ce joueur dormait, Bob? Lui, je sais pas. Allez! De base, il peut avoir garde parce que plus comme ça, ça sera bien chiant.
boîte. Ok. Il s'agit des soldats avec chacun, pourquoi pas. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Mais ça tient. Ce Skaven est plus vif qu'un halfling sur un feu de bois. C'est une façon de voir les choses. Il paraît qu'on peut le calmer en lui gratouillant le ventre ou le menton. Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer. Contre les Skaven, je me fiais sur toi mon odorat, Jim. Quand ça sentait le vieux fromage, balancez la sauce. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. D'accord, un moins. Oh. C'était bien oh. Compris, hein. Alors, on va tenter un truc. Ça me donne rien. Une esquive. Ce type est increvable. Ça touche. Maintenant, vous prenez. Le coach a le mérite de savoir choisir le meilleur joueur pour ça chaque... Ça ramasser, c'est honteux. Bons ouvriers. En gros, tu traites le coach de prolo. Alors... Cette fichue vermine est rapide, Jim. Thank you.
passe. Je n'avais pas vu de rat courir aussi vite depuis le grand incendie à Nuln il y a 8 ans. Par les baloches des Néphalgim, il s'attaque au porteur du ballon. C'est ça, vite fait, bien fait. Les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Ce joueur est à portée de crachat de la zone d'en but, même s'il est sûrement trop bien élevé pour ça. Bien sûr qu'on va esquiver, les gars, on va esquiver. Tous ces joueurs qui se tournent les pouces. Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Allez, le double 1, un peu comme moi, allez, double 1, double 1, double 1. Ah si. Oh si. Bénéficie de soutien. Ce joueur préfère se battre entouré. Au secours de ce joueur, ça va faire mal. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Et il ne fléchit pas. Euh...
faire grand chose, j'ai un joueur de moins, c'est un peu chaud. C'est dans le chachement. Il caracole en tête, mais rien n'est encore fait. C'est plus arrête. L'une des deux équipes a un joueur de moins. Un écart infime, mais qui pourrait avoir son importance. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Après, tes armures, c'est solide. Salut Chou Blanc, bienvenue à toi. Je t'avais pas vu. Donc c'est dur. Bon, on est pas mal. Bien. Ah. Non ! Le misclic ! Qui est là ? Oula ! Rapide, mais fragile. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille. Vas-y mon gars, mords-y l'œil. L'union fait la force. Okay. Impressionnant. C'est le moment de vérité. Oh, il a enfin décidé à bouger. Alléluia. Bon, si nous qui meurt, c'est pas grave. Thank you.
ce joueur. Avant de savoir esquiver, il faut savoir courir. Allez les gars, tous ensemble. Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Comme on dit. Il y a un big servant, un des survivants, voire deux. Je pense ça. Il n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. La défense met le turbo. La seule vraie utilité du ballon, identifier la prochaine victime. Le touchdown est en vue. Je peux rien faire. Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer. Contre les Skaven, je me fie sur toi mon odorat, Jim. Bon, ça sentait le vieux fromage. Balancez la sauce. Lieu de bras, c'était un peu court d'avance. Sur un turnover. Yeah. Je sens que ça va partir en sucette. L'interruption. Ah, on appelle ça le baiser de Neffel. Et un ragoût de rat au dîner ce soir. Ce
joueur a quitté le match. Et peut-être aussi son enveloppe charnelle. Le joueur a pris le ballon et la zone. Le ballon est dans la zone d'en-but. Comme il est écrit dans le livre des NFL, c'est un touchdown. Un conseil à donner à une équipe avec deux touchdowns de retard. Surtout, restez loin des supporters. Ils vont être furax. Soit ils ont un meilleur toubib, soit ils cognent plus fort. Je ne vois que ça. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Okay. On va rester comme ça, de toute façon, il ne reste plus rien à faire. On va avoir une petite chrono. Attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur. KO de ton côté. Ouais. Bon, bien joué, bien joué. Ce Skaven est plus vif qu'un halfling sur un feu de bois. C'est une façon de voir les choses. Voilà, ça c'est de la fin de match. Des joueurs apprivoisés. Après un match pareil, il faut que je change de sous-vêtement. Bob prend le relais tant que j'aille me ragaillardir. Te raga quoi? Ah putain, il m'en manque un. Il est pas revenu. Ah non. Alors, excusez-moi, j'ai un peu ça me fait. Et c'est là-bas, du coup, on t'a pété. Ça coupe Morphès, attention. Yadi, c'est le chèque. Ouais, y a pas de soucis. Toute façon, je vais vous laisser, je te fais des gros bisous, on va raid Doom. C'est quoi son nom? C'est Doom. Allez, bisous Kaiser. Bisous Morphès, à bientôt. De ligue, Bob. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était qu'une ligue, Jim. Mais je suis prêt pour un match. Bon, bah, on a perdu, il fallait s'y attendre. C'était des Skaven en face, c'est toujours très compliqué à négocier, on a fait au mieux. On a qu'un homme bête qui manque, bon. Le MVP sur 16, c'est toujours ça de prix sur un guerrier. S'ils peuvent vite avoir bloc, ça serait cool. Bon, la connerie que j'ai fait, c'est le lutteur dehors, quoi. Si j'avais pas agressé comme un con.
Je l'aurais eu, il aurait pu faire tomber la botte facilement et mieux m'aider à défendre. Après, les armures 7 qui ont bien tenu, c'était compliqué aussi, ça. Bon, c'est pas grave. La route est encore longue, donc quoi qu'il arrive, on aura un match de playoff à la fin. On va essayer de pour finir dernier. Déjà, c'est le plus important et on verra. Voilà. Bah, merci à tous d'être passés. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.